Salut à tous, c'est Kindy. On se retrouve dans une vidéo nail art. Aujourd'hui, on va utiliser un vernis semi-permanent et un gel paint blanc. Donc c'est une vidéo accessible aux débutants. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le tuto. Je vous montre le résultat final. Donc on aura utilisé un gel polish T33, la marque Beatles. Donc c'est des produits que j'ai commandés sur Amazon. J'ai utilisé aussi une finition matte, donc pour avoir l'effet velours, ainsi qu'une poudre acrylique pour faire un effet pull au niveau du flocon. Donc on se retrouve pour le tuto. Donc moi je vais utiliser un tips. Vous, si vous faites une pose sur des ongles, il faudra au préalable préparer votre ongle. Donc on va commencer avec le gel polish T33 de la marque Beatles, comme je vous ai montré juste avant. Donc on va venir appliquer une première couche. Et on catalyse 30 secondes. Hop, je reprends mon tips et je viens appliquer la seconde couche. Et je viens catalyser encore 30 secondes. Donc je viens ensuite appliquer la finition matte des gels polish Beatles. Et je viens catalyser 30 secondes. Donc une fois que c'est catalysé, vous avez un rendu vraiment velours. Donc on va pouvoir passer au nail art. Donc pour ce nail art, je vais reprendre mon gel polish que j'ai utilisé juste avant. Je vais venir en appliquer sur ma palette. Voilà. Histoire d'en avoir un petit peu pour pouvoir faire mon nail art. Je viens prendre de la matière sur mon pinceau. Alors il n'en faut pas trop parce que sinon ça va vous faire un pâté. Donc, hop, étire un peu. Une fois que vous êtes satisfaite du résultat, on va venir prendre la poudre acrylique et on va venir en appliquer sur le trait que l'on vient d'effectuer. Donc on en met bien partout. On vient enlever l'excédent et on vient catalyser 30 secondes. Je vais venir prendre mon petit plumeau et je vais dépoussiérer mon tips et on va passer maintenant au nail art flocon. Donc je vais utiliser le paint argel white de chez Ongle 24. Donc de toute façon, tous les produits que j'aurai utilisés dans ma vidéo, vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Donc je vais venir prendre de la matière et je vais venir effectuer des petits points. Étirer pour faire des lignes. Voilà, donc une fois que vous êtes satisfaite, pareil, vous venez reprendre votre poudre acrylique et vous venez en verser sur votre flocon. Donc on en met bien partout. Hop, sur le côté. On enlève l'excédent et on vient catalyser 30 secondes. Une fois que c'est catalysé, on vient de nouveau dépoussiérer et on va passer aux petites étoiles. Donc je reprends mon gel paint art white de chez Ongle 24, mon doodling tool, et je viens effectuer des petits points. Thank you.
je recommence le même procédé, ma poudre acrylique, et j'en verse partout sur mon tips. Hop. J'enlève l'excédent. Et je viens catalyser 30 secondes. Donc voilà, une fois que c'est catalysé, on vient de nouveau dépoussiérer. Et voici le résultat. Donc voilà, c'est un flocon effet pull, assez simple, accessible aux débutants. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, je vous laisse liker et vous abonner pour retrouver de nouveaux tutos.